Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Ce soir à l'émission, deux sujets qui ont trait à la même question, la violence à laquelle sont exposés les enfants. Qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience au moins une fois de ces jeux vidéo violents auxquels les enfants aujourd'hui ont accès? Des jeux où ils se transforment en commando ou en chevalier du Moyen Âge et où l'objectif de l'exercice est de tuer à tout prix son adversaire, et tout cela en trois dimensions et avec beaucoup de sang répandu. De plus en plus de parents et de spécialistes du monde de la santé s'inquiètent de l'impact de ces jeux vidéo violents sur le comportement des enfants, surtout lorsqu'ils en deviennent dépendants. Certains voient même un lien entre l'usage excessif des jeux vidéo et la multiplication de crimes spectaculaires commis par des enfants. Mais qu'en est-il vraiment? Jean-Luc Paquette et Hélène Pichette se sont intéressés à cet engouement pour les jeux vidéo violents. Ils ont même assisté à une de ces fins de semaine où des dizaines de jeunes se réunissent pour s'adonner en toute liberté à leur passion du jeu. 8 heures, un petit samedi matin de novembre. Les vrais maniaques, ces jeunes, ça n'a pas de bon sens. 273 mordus des jeux vidéo en ligne attendent avec impatience d'entrer au cégep Édouard-Montpetit de Longueuil pour une fin de semaine de tournoi. Vous voyez, ils voient ça, c'est un show. C'est un spectacle, ça n'en valait la peine. Les joueuses, elles, sont rares. On en compte 3 seulement. À la table, vous avez besoin de votre autorisation parentale si vous avez moins de 18 ans et... Certains parents partent de loin pour conduire leur fils à la rencontre tant attendue. Je suis descendue hier soir, après l'école, là, je les ai descendus hier soir. Cette dame est venue de Québec avec 2 gamers. Je dis salut à Rangers, je dis salut à Chase, puis je dis salut à Ailes. Tous rebaptisés d'un nom de plume, les gameuses transportent la panoplie d'usages. Sur le trottoir, pêle-mêle des ordinateurs, sacs de couchage, oreillers et victuailles. Au Québec, depuis 4 ou 5 ans, il y a des tournois en circuit fermé. Des centaines de joueurs s'affrontent dans un même endroit. On appelle cela des LAN parties. LAN pour Local Area Network, le système qui les relie. C'est un des événements favoris des joueurs. L'inscription pour le week-end coûte 45 $. Next! C'est quoi ton nom de famille? Lavigne. Ton numéro? 416. Une fois à l'intérieur, on sent la fébrilité des joueurs et des organisateurs. De 8 h à midi, c'est le grand branle-bas. Chacun sait très bien où placer le fil, le câble et la souris. Hey man, salut. Il y a des kilomètres de câbles et toutes sortes d'équipements. Un vrai paradis pour amateurs de jeux vidéo. Il faut des sous pour devenir gamer. Gamer, c'est l'appellation contrôlée. Âgé de 16 ans, Guillaume Caprini fait partie des joueurs d'élite au jeu Counter-Strike, l'un des favoris des gamers au Québec. Il joue depuis 2 ans et pas rien qu'un peu. Tu joues combien d'heures par jour? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Environ 8 heures par jour. Aujourd'hui, Guillaume a un gros problème. Il veut pas être tout seul. Ouais. Non, mais check, nous autres, si on peut, on garde, si on peut avoir une place avec nous autres, il y a nos problèmes. Okay. Une place. Les membres de son équipe habituelle sont absents. À la dernière minute, il doit trouver des gens pour se bâtir une nouvelle équipe ou s'intégrer dans une autre. On a regardé, il y a des places vertes un peu partout, mais, ouais, mais... je connaîtrai pas personne alentour de moi. Certaines personnes n'ont pas payé à temps, donc ils n'ont pas pu avoir de place. Alors là, je vais me trouver une équipe à l'improviste comme ça. Finalement, 13 Warrior, notre jeune Guillaume dans la vie de tous les jours, se joint à l'équipe AND 2. Les hostilités peuvent commencer. À Counter-Strike, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent. Chacune de ces équipes a défini sa stratégie de jeu. Le jeu requiert toujours beaucoup de concentration. Pendant une compétition, le niveau d'adrénaline est encore plus élevé. Mais les concurrents se sont préparés de longue date en jouant en ligne ou en fréquentant les salons de jeu. Oh, crosseur! Y a-tu d'autres qui veulent mourir?
Je l'ai pas vu. Dans ce salon de jeu, Guillaume et ses amis peuvent se retrouver en groupe. C'est plus agréable que d'être seul devant l'ordinateur à la maison. Maxime Lemieux, Mordred de son nom de joueur, vient d'ouvrir à Montréal le café Tribal Multimédia quelques années après celui de Québec. J'ai 80 % de ma clientèle environ qui ont un ordinateur chez eux. Ils jouent au jeu régulièrement chez eux, mais ils aiment ça venir dans des endroits comme ici. Où ils peuvent être avec leur clan, avec leurs amis, ou avec des individus qu'ils ne connaissent pas nécessairement, puis ils vont réussir à se faire du plaisir puis à passer des belles soirées. Hey, j'ai pas vu lui, ben non, mais se fait avoir. Maxence Etu, Néo pour les initiés, est le chef du clan Québec Last Hope. Dans le jeu Counter-Strike, chacun a son rôle et doit suivre la stratégie de l'équipe. Maxence adore jouer, bien sûr, mais il aime tout autant son rôle de chef. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir une équipe sous la main parce que c'est moi le leader de l'équipe. J'aime vraiment ça gérer. Comme si ça aurait une équipe de soccer, que t'es le capitaine de l'équipe, c'est toi qui prends en charge tout. Alors, je fais la même chose. J'aime vraiment ça. C'est vraiment comme le fun. On rencontre du monde. Je m'occupe des paiements de serveurs. Le monde me paye. On fait des activités ensemble. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup, là. Ce soir, samedi, revenons au cégep Édouard-Montpetit. En ce début de soirée, les gamers raffinent leur art et se préparent pour la principale compétition du week-end, le tournoi de Counter-Strike. Beaucoup de parents s'inquiètent du nombre d'heures que leur enfant consacre au jeu et de la dépendance qu'il pourrait développer. Caroline Caprini est la sœur de Guillaume. Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Qu'il passe la nuit sur l'ordinateur jusqu'au matin. Zombie, il a le bras qui bouge tout seul, lui, il est pas là. C'est ça qui m'inquiète. Je vais vous dire mon truc. J'ai enlevé la souris une fois, fait qu'il peut pas rien faire. J'étais contente de mon coup, mais il a été s'en acheter une autre. Fait qu'il y a des trucs. Soit enlever le fil du power, fait que là, c'est comme ça qu'il arrête puis qu'il finit par aller se coucher. Puis, parce qu'il faut qu'il retrouve la réalité un peu, hein, c'est le virtuel. Je veux quand même qu'il fasse d'autres choses. Des fois, je lui botte le derrière pour aller dehors. Fait que parce qu'il faut qu'il prenne de l'air aussi. Là. On le laisse aller un peu. Au moins, là, gars, il fume pas, il boit pas, il se drogue pas. Il est à la maison, je sais où ce qu'il est. Ça, c'est important. Donc ça, ce sont des images TEP, la tomographie par émission de positron. C'est une façon qui nous laisse mesurer la libération de dopamine dans le cerveau humain. Alain Daguerre est neurologue à l'Institut de neurologie de Montréal. Il cherche à comprendre qu'est-ce qui provoque la libération de dopamine dans le cerveau. La dopamine, un neurotransmetteur, a longtemps été perçue comme la réponse à une activité qui procure du plaisir. En étudiant le cerveau de gens normaux qui consommaient de l'alcool ou des amphétamines, et même de la nourriture, le docteur Daguerre et ses collègues ont pu mesurer la libération de dopamine et voir où ça se passait exactement dans le cerveau. On pense que le degré de libération de dopamine est un facteur de risque pour la dépendance. Donc, on pense que les gens qui libèrent le plus de dopamine, que ce soit en réponse aux drogues ou, par exemple, aux jeux vidéo, c'est une espèce de marqueur pour le risque de devenir dépendant. Si on voulait prouver, par exemple, qu'un jeu vidéo pouvait mener à la dépendance, c'est pas avec des tests, des scans du cerveau qu'on ferait ça. Il faudrait faire des études du comportement des gens. La cyberdépendance aux jeux en ligne existe bien. C'est maintenant au tour des psychologues de prendre le relais dans la foulée des travaux des neurologues. Jean-Pierre Rochon s'intéresse à cette question depuis plusieurs années déjà. Il a un site Internet très actif, comme on en trouve plusieurs un peu partout dans le monde. Certains dépendants le consultent ainsi de façon anonyme. Selon lui, on pourrait sans doute évaluer le nombre de cyberdépendants à 10 % de la population des joueurs, un pourcentage équivalent au nombre d'alcooliques dans notre société. Les accros du jeu en ligne, c'est une dépendance au même titre que les autres dépendances. Alors là, il faut voir
par exemple, un jeune étudiant qui est accro, si il m'arrivait, je lui demanderais pourquoi il fait tant d'heures, qu'est-ce que ça lui apporte, est-ce qu'il aime pas ses professeurs, il aime pas étudier, il aime pas... Tu sais, c'est tout ça que j'ai tendance à aller investiguer et voir pourquoi il a ce comportement-là. Donc, il y a une culture. Au cégep Édouard-Montpetit, les organisateurs du LAN éprouvent des problèmes informatiques. Le tournoi de Counter-Strike, qui devait commencer en début de soirée le samedi, est remis à 23 heures. Oh my God! Au nez, si je l'ai pogné au vol! Qu'à cela ne tienne, les joueurs, réunis dans une même salle, en profitent. Et Guillaume peut s'habituer au jeu de ses nouveaux coéquipiers. Est-ce que c'est important pour toi de gagner? Ouais, quand même important, mais c'est pas ce qui compte vraiment quand tu viens ici parce que tu sais qu'il y a tout le temps plus fort que toi. Donc, si je viens pour compétitionner pour devenir meilleur. Nathalie, qui vient de la Beauce, est l'une des rares filles qui participent au tournoi. La plupart de ses partenaires habituels sont mères de famille et n'ont pu se libérer pour le week-end. Est-ce que c'est important pour toi de gagner? Pas vraiment. C'est sûr que c'est bien le fun des fois gagner, là, mais pas jusqu'à se rendre à tout le temps gagner. Ça doit être plate à long. So here's the deal, my friends. We're warriors. Après la pause, un militaire américain à la retraite qui mène une campagne contre les jeux vidéo violents. Dans le jeu de Counter-Strike, deux équipes s'affrontent. Les terroristes et les antiterroristes, les bons et les méchants. Ces guerriers font usage de toutes sortes d'armes. Mitraillettes, couteaux, revolvers, grenades. Come get some. D'autres jeux se déroulent pendant la Deuxième Guerre mondiale. En scène, on retrouve les soldats des deux camps et leur équipement. Ailleurs, il y a du sang, beaucoup de sang. Sommes-nous en train de créer de véritables petits monstres? Hostie! So here's the deal, my friends. Nous sommes des guerriers. We're warriors. David Grossman est un militaire américain à la retraite. Il a entrepris une véritable croisade contre la violence dans les médias et les jeux vidéo. C'est aussi un spécialiste des armes, consulté par les réseaux de télévision, par exemple au moment de l'arrestation des tueurs en série de Washington. Toute l'année, il fait des conférences à travers les États-Unis, surtout devant des policiers, comme ici à Harrisburg, en Pennsylvanie. La violence, c'est le devoir des guerriers. David Grossman, graphique à l'appui, affirme que le taux de criminalité a augmenté partout dans le monde depuis 30 ans, y compris aux États-Unis et au Canada. Tenez compte de tous les facteurs, n'importe où dans le monde. Et ajoutez-y la mort, la guerre, la destruction présentée aux enfants comme un jeu. Et qu'est-ce que ça donne? Une explosion de violence. Quand des jeunes tueurs fous se manifestent à Jonesboro. David Grossman n'hésite pas à utiliser l'exemple des massacres commis dans les écoles de Jonesboro ou de Littleton comme preuve de sa théorie sur les conséquences de l'influence nocive des jeux vidéo. Vous prenez votre revolver, vous tirez deux fois, vous rengainez. David Grossman rêve peut-être d'une société moins violente. Mais il rappelle sans cesse aux policiers qu'ils ne doivent pas hésiter à tirer en cas de besoin. Il leur demande aussi de porter leurs armes, même à l'église, tout en poursuivant sa dénonciation de la télévision et des jeux vidéo. Qu'est-ce que les jeux encouragent? Y a-t-il un enfant au monde qui se contente de tuer une seule personne et qui met le jeu de côté? Que sont-ils entraînés à faire chaque fois? Tuer tous les ennemis. Les tuer tous pour avoir un meilleur pointage. On leur fait croire que les êtres humains ne sont que des points et que le but du jeu est d'obtenir le meilleur pointage possible. En juillet 2000, tous les médecins, tous les pédiatres, tous les psychologues ont affirmé devant les deux chambres réunies au Congrès que la violence dans les médias provoque la violence dans nos sociétés. Je cite, « Les jeux vidéo, parce qu'ils sont interactifs, sont encore plus nocifs. » Dans le temps,
Tout le monde voulait devenir des rock stars, mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir des game designers ou des pro gamers, OK? Bon. Jean-François William est très populaire auprès des gamers. Il a mis sur pied un programme d'études pour créateurs de jeux vidéo. C'est lui qui donne le coup d'envoi du tournoi de la fin de semaine. Il a des idées bien arrêtées sur les effets potentiellement dangereux des jeux vidéo et la hausse du taux de criminalité. Wow! Attention! Ça, c'est exactement le genre... Il n'y en a pas d'hausse. Il y a une baisse de la criminalité aux États-Unis. Allez voir Bowling for Columbine, ça va faire mes informations. J'en ai plein le casse. Le taux de criminalité dans exactement... Le nombre d'âge qu'on a ici là, a descendu drastiquement les dernières années. Donc, les tatas là, qui essaient de nous rabâcher la tête avec la violence est directement causée par les jeux vidéo sont dans les patates. Le criminologue Marc Ouimet étudie les causes de la délinquance et les statistiques de la criminalité. Il est vrai qu'il y a eu une augmentation de la violence dans nos sociétés entre 1960 et 1990. Mais depuis 1990, la criminalité et la criminalité de violence, donc les meurtres, les voies de fait, les agressions sexuelles, ont toutes baissé de l'ordre de 25, 30, 40 % autant aux États-Unis qu'au Canada. Les gens qui défendent des points de vue, des entrepreneurs moraux, par exemple, n'auront pas le souci là, de présenter les statistiques dans leur réalité. Ils vont tout faire pour que les statistiques appuient leur point de vue, ce qui n'est pas toujours le cas. Les gameuses ont passé la fin de semaine à s'entretuer à qui mieux mieux. Est-ce que les parents devraient s'inquiéter des effets de ces jeux sur leurs enfants? Je connais mon fils, c'est pas sûr que lui qu'il va l'inciter à être violent de toute façon. Parce que si je verrais qu'il y a des tendances à être violent, là, je lui couperais ça tout de suite. Moi, personnellement, ça me dérange un petit peu pour un phénomène global. Pour ce qui est de mon fils en particulier, je sais qu'il est capable de contrôler un petit peu ce genre de choses-là de par lui-même. Ce n'est pas une personne qui a des instincts un petit peu agressifs. On a peur, mais pourtant, il reste doux comme un agneau. C'est pas d'ailleurs, Guillaume. Non. Il s'assinera jamais. Il est doux. Fait que je pense que c'est uniquement dans son jeu, l'agressivité. En fait, le profil des jeunes délinquants ne correspond pas du tout au profil des jeunes joueurs de jeux vidéo. Le portrait type du délinquant, ce n'est pas du tout ça. C'est un garçon qui cherche l'excitation, souvent à l'extérieur de la maison, qui quitte la maison, il va dans les arcades, il va dans les parcs, il s'amuse avec d'autres jeunes. Lui, il est à la recherche de sensations fortes. Pour ce jeune-là, les jeux vidéo ne représentent pas nécessairement quelque chose d'intéressant. Dans le monde québécois des gamers, Guillaume Patry occupe une place à part. Il a été champion du monde à StarCraft, un titre qu'il a gagné pour la première fois à Séoul en décembre 2000. Le tournoi a été diffusé en direct à la télévision. Lors de la finale, il y avait 10 millions de téléspectateurs. Guillaume vit en Corée du Sud depuis ce temps. Comme moi, la Corée, c'est vraiment l'endroit parfait pour habiter parce que je me fais reconnaître dans la rue et je suis respecté pour être un joueur professionnel de jeux vidéo, ce qui n'est pas possible encore au Canada ou aux États-Unis. Guillaume bénéficie maintenant du statut de vedette. Mais pour devenir joueur professionnel, il a dû consacrer de nombreuses heures à parfaire son jeu. Est-ce qu'il a trop joué? C'est vrai que quand StarCraft est sorti, j'ai peut-être un peu trop joué. Je faisais que jouer à StarCraft, j'en rêvais. Et c'est un peu, et je détestais perdre, c'est un peu pour ça que je suis devenu aussi bon que je le suis devenu. Depuis 1998, Guillaume joue très sérieusement et il est payé pour le faire. Un rêve que partagent de nombreux gamers. Guillaume joue à Toronto pour se qualifier, voyage en Californie pour tester de nouveaux jeux et donner son appréciation aux compagnies qui les fabriquent, et retourne à Séoul, son lieu de résidence. Cette année, Guillaume n'a pas gagné le tournoi mondial. Comme bien d'autres, il ne croit pas que les jeux vidéo rendent les joueurs violents. C'est très relatif, hein? Si on compare ça à la violence dans le football à l'école secondaire, c'est incomparable. Moi, par exemple, je vais me défouler en jouant à des jeux vidéo, mais le joueur de football qui va se défouler, ça sera pas aussi beau à voir, j'imagine. Dimanche après-midi,
Au cégep Édouard-Montpetit, les organisateurs du tournoi ont eu de sérieux problèmes de retard. Mais les joueurs ne s'en plaignent pas vraiment. En plus de s'amuser, ils n'ont pas à suivre les règles qu'imposent habituellement les parents. Résultat, beaucoup de désordre, peu de sommeil. On a joué juste pour s'amuser, mais on s'est fait du fun quand même. Toute la nuit? Vous avez joué toute la nuit? Oui, toute la nuit. Le coup d'envoi du tournoi a enfin été donné. Et que le carnage commence! Cache-toi, on avance. Cache-toi. Rien qui est passé. La pression est de plus en plus forte pour les équipes qui se rendent aux éliminatoires. Attention. Malgré son handicap important, 4 joueurs plutôt que 5, l'équipe de Guillaume gagne en quart de finale. L'équipe AND2 ne fera pas les demi-finales. Un autre joueur a dû partir. Mais 13 Warrior et ses coéquipiers sont fiers d'eux. Ça va rester dans les annales. Dans l'équipe de Nathalie, éliminée par celle de Guillaume, les joueurs sont très déçus. Tu es déçu, Nathalie? Je pense que les autres, ils le prennent plus à cœur. Ouais, ils ont pas l'air contents. Je vais m'en aller aux études. Je vais aller au cégep. 2 ans de cégep, 4 ans d'université. Pourquoi? En génie informatique. C'est le top des tops pour l'informatique.